Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Sticks Master of Shadow. Étant donné que je vois que ça coupe, je vais redire bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming. Je suis Davy, nous allons tout de suite continuer Sticks Master of Shadow. Parce que j'ai remarqué que dans certaines vidéos, quand je parle, en fait, ça coupe, mais c'est parce que c'est les temps de chargement et les conneries comme ça qui me coupent dans mon élan. Alors, la dernière fois, nous avions nous introduire dans l'ambassade et on avait fait une erreur, on s'était jeté dans le vide, me semble-t-il. On avait aussi remarqué qu'on était du coup en plein jour. Que forcément, ça n'aidait pas. Je vois désormais le chemin. Ah non, on était mort à l'intérieur, il me semble. Oui, on s'était fait déchiqueter par les gardes, non? Parce qu'on a oublié de sauvegarder comme un gland. En bas. Sur en bas. J'ai deux couteaux de lancer et il y a deux gardes. Vous croyez qu'il voit si j'assassine d'ici? Il voit rien. Ils sont totalement aux fraises. Voilà. Alors, avant qu'on se fasse repérer, un petit coup de sauvegarde. Parfait.
taking any amber. He's got himself. What? Ta gueule, t'as rien vu, t'as rien entendu, même t'es mort d'ailleurs. On éteint les lampes. Après tout, pourquoi utiliser autant d'énergie? Pourquoi ils tapent sur les murs comme des cons? Tueur en série, parfait, c'est exactement ce que je cherchais comme succès. Oh my head! Holy shit, this damn headache won't go away. It's pounding away like a new whore's bed on payday. I can't think. Hey, I think I saw something. Let's see. It's over for him. Et ça fait bim, bam, schlass. J'ai vu qu'il avait un couteau, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. I'll get you next time. Ah, he's got it. Bon, bah, il n'avait pas de couteau, donc j'ai bien fait de récupérer celui de ce gars. Oh, je vois. On fait le petit malin. On n'a pas vu que son pote avait alerté tout le monde parce qu'il y avait un cadavre. Ouh, mais on est dangereux. On est beaucoup trop discret, allez hop. Gobert est juste là. Il faut un accident malencontreux. Alors cet accident pourrait très bien être ça, non? Hey, Gobert. I've been waiting for my little delivery a week now. It's coming, be paid. Go. One troublemaker less. I just have to get rid of the body. Do I throw it in the vacuum? Or do I put it in the closet? Ooh, adieu, Gobert. Et on est revenu au début, regardez les deux gardes à la con qui sont là, qui savent pas qu'on a buté. Leur main d'œuvre. Alors l'ambassade est là, ok. Où est-ce que ça mène ça? Sauvegarder ici. Non.
Pourquoi? Parce que je vais descendre. Premièrement parce qu'il faut éteindre les chandelles. Ensuite parce que ce type dort au boulot et c'est intolérable. Jusqu'où toi? Jusque là, d'accord. Voilà. Bien fait de prendre des fioles de vie. Y a quelqu'un ? Il y a un couteau là, donc ça veut dire qu'on peut encore en buter un. Pas être moi, j'étais là dans le noir. Alors, ça a été ta journée de travail? Ouais, je suis pas mort. Par contre, 99% des autres employés, eux, ils sont morts. Waouh, c'est génial, mon chéri. Et qui a vu faire une chose pareille? Un monstre! Ouais, j'ai utilisé tous mes couteaux, mais bon, c'était un cas d'extrême urgence. Je croyais que je pouvais le faire. Puis dites-vous que chaque soldat tué, c'est une alarme non déclenchée. Et j'ai encore deux objectifs à faire dans la journée, donc... Thank you.
piécette. Ok, là il y a des gardes. Enfin là il y a ce garde. Il y a tous ces gens là. Il y a ces trois types qui discutent. Et l'ambassade est là-haut, très bien. J'avais du poison, je pourrais le mettre là-dedans, il me semble. Tu m'expliques pourquoi t'étais là-bas, du coup ? To arms! The enemy is here! No! He's got himself. Je m'appelle Super Mario, moi. Un type empoisonné, un type assassiné, ça me paraît quand même un peu chelou, toute cette histoire de mec mort là. Il est tombé tout seul. Il y a eu un empoisonnement, un assassinat, et un mec qui n'était pas assez attentif. Mais c'est tout. Il n'y a pas de gobelins. Allez-vous-en. Il n'y a pas de gobelins. There is no gobelins. Ça me paraît un peu complexe ici. Regardez-moi ça. Ils sont tous les uns à côté des autres. Peut-être celui-là, je peux aller le pousser, mais c'est tout ce que je pourrais faire. Lui en dessous, peut-être. Mais il y a son pote. Non, non, on va monter, on va arrêter les conneries. L'ambassade est à 40 mètres. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Là-bas, j'en viens, non, j'ai déjà assassiné tout le monde. Are you ready for truth inspection? It's coming soon. Fuck, I got my weapon so sharp this morning that I cut myself shaving with it.
And so you look like a prick just in time for inspection. Well done. Oh, here we go again. Va dire bonjour aux gens en bas. Maintenant qu'on a atteint cet endroit, on va peut-être faire... Oui, je sais ce que vous allez dire. Attends, mec, tu fais des sauvegardes toutes les 5 secondes? Oui, mais en même temps, dans la dernière fois, on n'a pas fait toutes les 5 secondes, et à chaque fois, on a dû refaire des passages. Alors, à un moment, ça va. Il faut savoir... Y a rien sur ce bureau, rien sur le bureau. Ok. Il faut savoir sauvegarder sur des jeux où la sauvegarde n'est pas automatique à tous les étages. Alors je vois qu'ils sont en train de prier le feu là, mais. Ok. Des gens assassinés, justement. Je m'approche de mon objectif, c'est pas pour crever comme un gland. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Quoi? Ah d'accord, c'est la porte. J'aurais pu empêcher qu'on vienne me faire chier. Bon ben ce fut une affaire rondement menée, hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas mort une seule fois, mais on s'est fait... On s'est fait aussi rapidement repérer plusieurs fois. Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas eu de témoin. Transport office shouldn't be far. If I can get away on an airship, I'm grabbing it.
reçu un message. C'est pas le moment. Alors, ellipse 30 secondes. Heureux, voilà, c'est bon. Alors, débarrassons le plancher de ces connards. Bon, il fallait s'y attendre à la réponse. C'est bon, c'est juste une affirmation pour me dire que c'est ok. Allez. D'accord, faut que je fasse ça vite en fait. Il valait mieux éviter que les gardes de ce couloir viennent m'emmerder. C'est pas un garde, lui. Ta gueule. Compris ? Ta gueule. Mais oui, mais voilà, mais la salle est ouverte. Et tout ça pour ça, hein. C'est même pas la mission, c'est juste une quête secondaire, ça. Je peux boire ma fiole d'ambre. Oh bah. Même pas besoin, mais bon. J'avais pas un truc à récupérer ici ou à détruire, je sais plus. Bon bah tant pis. Hein. On a ouvert. Ça t'apprendra à essayer de me buter alors que je bute tes potes. Faire. Ne
dirigeable, c'est par là. Moi, j'aurais mis une pièce là où ils étaient. Il y avait un gars là-bas, mais bon, ils sont sourds et aveugles apparemment. Que je viens justement. Si, c'est par là que je viens, non? Je suis arrivé d'ici, non? Et je suis monté là et j'ai découvert le... Ah, et je suis descendu là et j'ai vu le passage secret. Allez, on va crocheter. L'épisode va être un peu plus long que les autres parce que voilà. Alors ça nous mène ici. La porte qui est ici nous mène là. De ce fait, si mes calculs sont corrects, de ce côté-ci. Putain d'abruti de gobelin de merde! Oh putain. Il a monté sur la torche en fait. Ah, du coup j'ai plus de vie. Hein. Bravo Styx. T'es vraiment malin. Je vous assure que j'ai pas du tout visé la torche, je visais en face. Oh merde. Donc il n'y a pas d'accès par là. Porte condamnée. Et nous arrivons dans une salle avec deux connards qui ne me laisseront pas passer. À quoi ça sert les fioles d'acide? Je peux toujours essayer de les buter, mais avec ma vie, il vaut mieux pas. On va essayer de passer par le balcon. Par le haut, il y aurait moyen. Bon, faut que je remonte par là. Tu passes par un côté, il y a un connard juste derrière, quoi. Non mais... Bon, on n'a pas besoin d'ouvrir cette porte, on sait ce qu'il y a derrière. Hey, is someone there or not? Nya. Nya.
personne? No. There's nobody. Putain, mais je voudrais l'assassiner. Je voudrais l'assassiner, mais il clone. C'est vrai aussi. Parce que j'ai pas d'autre choix. Mais putain, mais pourquoi il a fallu que je saute dans les flammes? Putain, Styx, tu pouvais pas te péter une jambe plutôt que sauter dans les flammes. Apparemment, bah, il passe. Il est très. Il est passé au milieu du. Il est passé devant lui, mais il est très discret, mon clone. Non, mais putain, on va quand même pas s'arrêter là-dessus, quoi. Non! Non! On peut toujours se balader, chercher pour voir s'il n'y a pas d'autres potions de soin, mais je pense que. Je sais même pas à quoi sert l'acide, quoi, s'il vous plaît. Hello there. And here's a magnificent trophy. Putain, mais et voilà, un trophée magnifique. J'arrive derrière lui, je clique pour le tuer, ça ne marche pas. Comment tu peux juste foncer dans le tas? Bon, on va essayer la technique du clone, hein. On va sauter au milieu du jeu de quilles pour voir s'il me tue ou pas. Technique du clone. Apparemment, technique du clone pourrait fonctionner. Il faut juste que je l'attaque pas, mais j'ai envie. Sinon, il va m'emmerder. By the heart of the tree. Flip.
bah apparemment ça, ça fait que quelqu'un m'entende, mais étant donné qu'il ne peut pas m'atteindre. Ouais, perdu. Bon, qu'on m'explique comment il m'a vu. Bon, apparemment, la... comme j'ai pas été assez rapide, ça, ça s'est vu. Ouais, vous savez quoi? Ce sera pour le prochain épisode. Je laisse ça aux débiles du futur. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Taco Gaming. C'était Débile, à plus.